Hello mes citrons, j'espère que vous allez bien. C'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Bref, pour ceux qui ne savent pas ce qui s'est passé, je vous invite tout simplement à aller voir dans l'onglet communauté. D'ailleurs, je précise également, si par la suite vous voyez que je ne fais plus de vidéo, que je ne fais pas de live, etc., c'est que souvent bah, y a une raison quand même. Et si en général je poste dans l'onglet communauté si voilà j'ai un imprévu ou quelque chose, donc si vous n'avez plus de nouvelles de moi et que vous posez des questions, n'hésitez pas à aller voir en premier l'onglet communauté, parce que j'ai reçu plein de messages pendant mon absence, plein de messages partout, Instagram, Discord, partout, et j'ai pas eu le temps de répondre encore à tout le monde, donc voilà, je tiens à le préciser en début de vidéo. Et du coup, aujourd'hui, on va ouvrir les cadeaux de couleur blanc. Donc, c'est parti. Donc, je rappelle, les cadeaux de couleur blanc, donc pas le ruban blanc. Donc, le cadeau en lui-même doit être blanc. Voilà. Donc, on va aller ouvrir les cadeaux blancs. Et c'est parti. Ça fait super longtemps, puisque j'ai pas fait d'ouverture de cadeaux. Et en plus de ça, comme vous aurez pu le constater, j'ai perdu mon VIP. I'm not VIP. Je crois que c'est la première fois de ma vie. Je suis pas VIP, quoi. Et à part la première fois où j'ai créé mon compte, bien sûr je n'étais pas VIP quand j'ai créé mon compte, mais bref, depuis j'ai toujours été VIP et là je ne suis plus VIP, c'est la tristesse. Et merci à Bleu Pastel pour la salutation, merci beaucoup à toi, je te fais un très très gros bisou en vidéo, merci beaucoup pour la salutation, merci énormément. Et du coup ben, on va porter les cadeaux, d'ailleurs merci à toutes les personnes qui ont envoyé des cadeaux. Ça fait aussi un petit moment que j'ai pas envoyé de cadeaux non plus, faut que je reprenne ça en fait, que tous les jours j'envoie 25 cadeaux avec mes deux comptes, avec Madame Toilette, avec Tarzan YouTube, et ces derniers temps, oula, j'ai pas trop eu le temps, je vous avouerai, et d'ailleurs merci à toutes les personnes qui m'ont soutenu pendant cette dernière période. Voilà, pour ceux qui savent pourquoi je n'étais pas là, donc voilà, merci beaucoup à vous, super gentil, je suis désolée si je n'ai pas répondu à tout le monde, vous avez été tellement nombreux à m'envoyer des messages de soutien, voilà. Bon bah écoutez, on va se concentrer sur la vidéo maintenant, et il va falloir que je me reprenne en main, parce que là, 15 ans, ça ne va plus du tout, vous pouvez constater que là, au niveau de mes amis, il y a quand même pas mal d'amis qui ont, entre guillemets, sauté, si je puis dire. Puisque j'ai commencé quand même à faire le tri, et c'est très très long à faire le tri, et franchement j'espère que je finirai avant la fin des vacances le tri pour que je puisse commencer à tous vous réaccepter. Bon là c'était un sort de gris, mais bon je vais l'ouvrir parce que sinon on va me traiter de daltonienne encore une fois, hein, voilà. Donc j'ouvre quand même les cadeaux blancs, on va dire blanc cassé, blanc sale, enfin voilà. Je vais quand même les ouvrir parce que j'ai pas envie de me faire insulter, hein. Mais comme d'habitude, n'hésitez pas à marquer votre petit pseudo en commentaire. Voilà, vous mettez votre commentaire normal et à la fin, vous pouvez marquer votre pseudo de Movie Star Planet. Parce que comme je vous l'ai dit, des fois, les 25 cadeaux que je fais journalier, entre guillemets, ben des fois, je le vois dans les commentaires. C'est-à-dire, je vois un commentaire avec le pseudo de la personne. Elle m'envoie un gentil petit commentaire sympathique. Bien sûr, les commentaires sympathiques ont plus de chance, hein, parce que bon, les gens qui viennent me dire je fais 25 cadeaux et le pseudo, voilà, je préfère quand même choisir quelqu'un qui me laisse un gentil petit commentaire, etc. Et à la fin laisse discrètement son pseudo. J'ai tendance quand même plus à choisir ces personnes-là. Malheureusement, je peux pas faire un tirage parce que au niveau des tirages, ben du coup, tout le monde ne pense pas à mettre, et chose que je comprends, son pseudo en commentaire. C'est normal, je le conçois totalement. Du coup, je ne fais pas de tirage, du coup, je choisis un commentaire qui me plaît bien, où la personne a laissé son pseudo, et boum, j'envoie 25 cadeaux. Ou des fois, quand je suis sur le jeu, tout simplement, je me dis, ah, bah, je vais envoyer 25 cadeaux, bah, je regarde dans les derniers messages, par exemple, la dernière personne qui m'a envoyé un autographe. Des fois, je regarde la dernière personne qui m'a envoyé un message qui n'est pas VIP, parce que je me dis, bon, les non-VIP, ils ont peut-être un peu moins de chances de se faire des starcoins que les VIP, et du coup, voilà, j'ai tendance à leur envoyer aussi pas mal de choses. Et je voulais dire un truc, mais j'ai oublié. Je voulais dire un truc en plus assez important. Et j'ai oublié, c'était quoi? Attendez que je réfléchisse. Il y a un truc que je devais vous dire. Ah mince. En plus, j'y ai pensé juste avant de vous dire ce que je viens de vous dire. Et du coup, oh, ça c'est la robe. La robe du pack d'il y a 4-5 mois, voire même plus, je ne sais plus, qui date quand même, elle est super belle. C'est pas les couleurs d'origine, mais elle est vachement belle. On va la porter, en plus ça va très bien avec, avec l'été, etc. Merci beaucoup. Elle est très très jolie, merci Emma92MSP, merci énormément, c'est super gentil.
Ah oui, sinon, au niveau des amis, ce que je ferai maintenant, c'est que j'accepterai les personnes qui sont régulièrement là sur les lives. Voilà, donc si vous êtes une nouvelle personne sur la chaîne, que vous venez la première fois sur un live, c'est si vous venez régulièrement, au bout d'un moment, je vous accepterai. Oh, c'est joli. Je vous accepterai, mais voilà, au début, je n'accepterai pas, par exemple, une personne qui vient pour la première fois sur le live ou quoi. Histoire de voilà laisser quand même un maximum de place, puisque maintenant je vais essayer quand même de mettre une limite au niveau des amis pour ne pas être voilà, je lag déjà tellement avec 2349 amis, je vais pas atteindre la limite des 3500 amis. Je vais quand même essayer, je pense que je vais même mettre une limite genre 2000 amis maximum, et encore si ça lag, je baisserai encore ça à un minimum encore plus bas. Mais pour l'instant, vous voyez, je suis encore en train de faire le tri. Il y a déjà pas mal de tri qui a été fait, hein, parce qu'on n'était pas loin des 3000 amis il y a encore quelques mois. Mais ce serait pas mal que je le finisse tôt ou tard. Mais bon, on va dire que c'est dur, parce qu'au niveau du tri, quand je le fais en tout simplement en regardant les derniers messages. Donc voilà, si tu passes par là, que t'es dans mes amis, que ça fait 30 ans que vous ne savez pas parler dans le game, envoie-moi un petit coucou, envoie-moi un petit toto, n'importe quoi. Un petit message, même ça suffit, un petit smiley pour que je sache que ça fait moins d'un mois que tu m'as parlé sur le game. Et du coup, ça me permettrait de ne pas t'enlever de mes amis. Voilà, parce que maintenant je ferai comme ça les tri. J'ai pas envie d'imposer un niveau, c'est-à-dire que voilà, maintenant il y aura plus niveau. Avant c'était niveau 15 minimum, maintenant il y aura pas de niveau minimum. Je trouve ça injuste de mettre quand même un niveau minimum, puisque il y a des gens qui sont très actifs et qui ont un tout petit niveau. Voilà, c'est pas parce que quelqu'un farme pas les niveaux qu'il n'est pas actif dans le jeu. Par contre, le souci, c'est que moi, du coup, je me retrouve quand même avec des personnes au niveau de ma liste d'amis. Dans les plus bas niveaux, j'ai plein de deleted users. À la base, c'est vraiment pour ça que j'avais mis un niveau minimum. Puisque, je ne sais pas d'ailleurs s'il y a quelqu'un qui sait quand ils enlèvent les deleted users des amis, parce que ça prend de la place pour rien. J'ai plein, je pense que j'ai au moins 200 personnes, c'est des deleted users dans mes amis, hein. C'est triste parce que au final ça prend de la place pour rien vraiment, et on peut pas les enlever par nous-mêmes, on peut pas enlever un deleted user de nos amis et on se retrouve bloqué avec une place comme ça. Mais bon, bah, y a pire hein, comme situation, mais est-ce que vous savez au bout de combien de temps les deleted users disparaissent complètement? Parce que là je suis... Oh, regardez une pêche. Ah, c'est trop bien. Du coup je me retrouve un petit peu bloqué avec ça, mais bon, j'essaye quand même de... j'essaye quand même de faire les choses en sorte que le jeu soit moins, entre guillemets, relou pour moi, parce que c'est... Voilà, je pense qu'il faut vraiment le vivre pour le comprendre. Parce qu'il y a des gens qui me disent « Ouais, t'as tant de la chance, t'as plein d'amis, t'as plein de gens qui te parlent, t'as plein de gens qui t'envoient des cadeaux, des salutations, etc. » Donc c'est vraiment très très gentil. Mais malheureusement, il y a aussi un côté où t'as des gens... peut-être qu'il y en a qui le font pas ça méchamment. Peut-être qu'il y en a qui le font, mais qui te spam, etc. et qui te font laguer. Parce qu'en soi, avoir 2000 amis, si les 2000 amis ne te spam pas, ça, je pense que ça doit aller. Mais malheureusement, pour moi, j'ai plein de personnes qui me spam. Mais bon, de toute manière, ça, je vous l'avais montré dans une vidéo. Enfin, je vous l'avais dit déjà dans une vidéo que maintenant, les gens qui me spammaient, etc., je l'ai bloqué, tout simplement, pour essayer de pouvoir jouer tranquillement. Parce qu'à un moment donné, je m'avais rendu malade à ce point. Et vous aussi, parce que vous me l'avez dit, à un moment, le jeu, il laguait tellement. Mais même pour vous, même pour, par exemple, moi, je venais de créer un nouveau compte que personne ne connaît. Et le compte arrivait quand même à laguer. C'est, en fait, on arrive à un point où le jeu en lui-même, il lague. C'est même plus une question de ami, pas ami. Mais et en plus, quand je vous avais posé la question en live, je suis ouais, je comprends pas, je lag même sur un nouveau compte, etc. Et vous aviez été très nombreux à me dire ouais, moi aussi je lag, pourtant j'ai pas beaucoup d'amis, etc. Avant je laguais pas. Le jeu il commence à laguer, je trouve ça un petit peu bête puisque tu payes le game. Enfin, maintenant je suis plus VIP, hein, donc voilà. Mais tu payes le jeu quand même, ça coûte un jeu extrêmement cher et il n'y a pas de qualité quoi. Enfin. Tu lag, c'est injouable. Moi au niveau des tri d'amis, vu que je regarde les derniers messages, je suis obligée de toutes les 3 minutes relancer mon jeu, remettre dans le meilleur score, retourner les pages pour arriver là où j'en étais, pour continuer le tri. Et malheureusement, le tri là ne me permet pas de le faire pendant le couvre-feu, puisque si je dois aller voir les messages, il faut que je puisse avoir accès aux messages. Voilà, donc en dehors du couvre-feu. Et ça, c'est vraiment très embêtant. Mais bon,
à Skip, je crois que tu peux voir quand même les messages quand t'es sur Blockstar Planet, mais pour faire le tri, je sais pas si je peux enlever les amis à partir de Blockstar Planet. Faudrait que je teste. Pour moi, tu dois briller. Oh, c'est gentil. Oh, trop mignon le message, Wolf. Trop belle, merci. Elle est trop mignonne, les messages de Wolf. C'est trop gentil. Voilà. Bon, pour en revenir à un autre sujet, avant de finir, parce que là, ça fait vraiment beaucoup de cadeaux que j'ouvre. Trop chaud. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, si vous avez des idées de vidéos, etc., que vous voudriez que je fasse, n'hésitez pas. Moi, j'en ai, hein, j'ai pas mal d'idées déjà pour faire des vidéos sur MSP, mais vous pouvez bien sûr m'aider et laisser un petit message en commentaire si vous avez une idée originale que je n'ai peut-être pas fait sur la chaîne et qui pourrait vous intéresser. Si je vois qu'il y a plusieurs messages de ce type-là pour ce genre de vidéos que vous me proposez, ben, je pense que je serais susceptible de le faire. Sauf si c'est un peu trop chelou. Mais bon. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez des idées de vidéos, etc. Moi, j'en ai pas mal parce que, bon, vu qu'après ma pause, entre guillemets, et ma petite pause, ben, j'ai quand même eu le temps de réfléchir et de me dire qu'est-ce que je pourrais faire à mon retour. Et j'ai eu quand même pas mal d'idées. Voilà, voilà. Je sais qu'il y aura pas mal, d'ailleurs, je vous annonce pas mal de vidéos situation, parce que ça me manque, j'aime beaucoup faire les vidéos des situations. Et aussi des messages, voilà, donc il y en aura pas mal parce que je suis pas mal en retard et là je pense que je suis encore plus en retard après ma semaine de stand-by, hein, de break, donc j'espère que je vais quand même réussir à me rattraper un petit peu, mais heureusement pour moi vous aimez bien ce genre de vidéos. Ça veut dire que si vous aimez bien les vidéos des situations, ce qui est cool, c'est que du coup, bah, moi, ça me permet d'en faire un peu plus pour me rattraper, et vous vous aimez bien, donc c'est two in one. On est content, tu es content, moi je suis contente, on est tous les deux contents. Bref, je parle beaucoup trop. Bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter sur cette salutation de Catherine Lapointe. Donc merci beaucoup à toi Catherine, je te fais un très gros bisou sur la vidéo. Merci beaucoup pour ta salutation, voilà, comme ça passera dans la vidéo, je peux remercier. Moi j'aime bien remercier en vidéo quand je reçois des salutations en vidéo, parce que je me dis que la personne, au moins, ça pourrait faire une petite pub. Mais souvent, vous ne savez pas quand je fais les vidéos, donc des fois je reçois plein de salutations hors vidéo. Et bah, là, ça m'arrange quand ça tombe en vidéo, voilà. Donc je préviens pas quand je fais une vidéo, puisque sinon les gens vont me spammer de salutations. Et je préviens pas tout simplement aussi, parce que sinon je vais trop laguer. Voilà. Bon bah écoutez, sur ce, moi je vais vous laisser. Je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à bientôt, parce que je pense que j'arriverai à reprendre un petit peu les vidéos de 17h. Et je vais essayer de reprendre aussi les vidéos des Sims, voilà. Donc sur ce, moi je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.